7 et 8, 7 and 8. Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Écoute, ok, c'est Saint. 1 Corinthiens 5, 7, 8. C'est déjà certes rendez-vous. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Heavenly Father, we thank you this night for your grace and mercy. We are together with your people. We want from you, Lord Jesus Christ, to receive from your glorious throne. We come together, Almighty God, you the true God, you the living one. Father, glorify your holy name through this word. Your word is life. Father, manifest your glory, Jesus Christ. Come visible, glorious Almighty God, save, deliver, bless, heal, Father. Do all you can do for your glory, Lord Jesus Christ. I believe you the same yesterday, today, and forever. You never change, Almighty God. Jehovah, heaven, earth, I told you, I under your glorious control, Almighty God. Lord Jesus Christ, this night is night of celebration, not of your glory, not of victory, not to touch you, who you are, Jesus Christ, not to leave who you are, Shaddai. Almighty God, who is God like you, incomparable King? Have your way this night, Jehovah. Throne yourself, Almighty God. Catch up our spirit, Lord Jesus Christ, under your control, Jehovah. Let your spirit, Father, move this night, Jehovah, all over this Canada and Shaddai, all over the world, Jesus Christ. There is no God like you, Jesus Christ. Let your word go over, Father. Touch even those who are not here. I believe in the power of your word. Then go over, touch, serve, even in prison, even in detention, even in hospital, or wherever, Jesus Christ. I believe, show. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Amen. Thank you, Lord. Vamos a suar. For parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. C'est ça le thème principal. Mais avant de toucher le thème principal, nous allons à ce que nous appelons shadow, ce que nous appelons image. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'image de la vérité qui est cachée dans le Nouveau Testament. Donc la parole de Dieu c'est un voyage. Fais le voyage. Il marche. Depuis Genèse jusqu'à la révélation. Genèse jusqu'à la révélation, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est caché dans chaque écriture. Jésus-Christ, c'est un mystère. C'est un mystère dévoilé dans chaque mot de la Bible. Jésus est caché là-dedans. Parce qu'il s'appelle Jésus. Il est tout. Amen. Amen. Alors, le Dieu Tout-Puissant, avant de racheter le monde entier, il s'est fait homme. Il est passé par Israël pour racheter le peuple d'Israël. La Bible dit, parmi toutes les nations de la terre, le Dieu Tout-Puissant, dans cette dispensation, dans cette dimension-là, il s'était choisi tout un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Mais ça, c'était le plan en image. Mais ça expliquait quelque chose qui venait. La Bible dit, il s'est choisi, il s'est dévoilé à Moïse.
Il dit, je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple, c'est-à-dire les amener en dehors d'eux, vers quelque part. Je suis descendu. Il s'est dévoilé à Moïse. Il lui a dit, je suis descendu pour enlever mon peuple, les amener quelque part, vers un pays, vers une terre où je les ai préparés pour. Mais écoutez, le Dieu Tout-Puissant, il est capable de dire seulement sortez. Mais il ne l'a pas fait pour les dire sortez seulement. Mais il y a un processus. C'était un langage caché. Il est capable de dire sortez. Mais pour ne pas les dire sortez, il a dit à Moïse qu'il y a un processus. Mais tout ce processus-là, c'était un langage que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des mystères que nous devons connaître et que nous ne devons seulement pas garder comme mystère, mais que nous devons, nous, dans notre vie chrétienne, vivre pour vivre ce grand Dieu-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. La Bible dit, il dit à Moïse, je suis descendu pour faire sortir ce peuple de l'Égypte vers la terre où coulent le lait et le miel. Je sais que les gens pensent que la terre où coule le lait et le miel, c'est le Canada. Les gens pensent que c'est les États-Unis. C'est comme ça que les gens pensent, c'est charnel. Amen. Amen. Je ne crois pas ça. Amen. Oui, je sais que c'est bon au Canada, c'est bon aux États-Unis, mais c'est terrestre. Amen. Oui, oui. Ouais. Amen. 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 C'est bon d'être au Canada, c'est bon d'être aux États-Unis. C'est bon. Mais je ne parle pas de ça. La Bible dit, là où il y a le coulement du lait et du miel. Le Dieu Tout-Puissant, il dit à Moïse, il donne, parce que notre Dieu, vous savez une chose, mes frères, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu veux marcher avec le Seigneur a des principes. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. C'est la même chose. Quand le Dieu Tout-Puissant veut marcher avec Moïse, quand tu veux marcher avec tout Josué, quand tu veux marcher avec qui que ce soit, quand tu veux marcher aussi avec Israël, il s'impose des principes. Il base sa marche, sa vie avec des principes. Alors, il dit à Israël, à Moïse, ok, je sais que Pharaon ne va pas vous libérer, mais je vais passer, il y a des signes qui vont se passer, mais il y aura les derniers signes. Moi, je dois endurcir le cœur de Pharaon. Oui, il est Dieu Tout-Puissant. Il peut dire sauter, mais il ne passe pas des processus et des principes. Il dit, je veux endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Quel est l'objectif d'endurcissement des cœurs de Pharaon? C'est pour éclater sa gloire. Il n'y a rien que le Seigneur fait sans objectif. Et l'objectif de Dieu, c'est sa gloire. Que ça peut apparaître négatif. Alléluia. Ça peut apparaître fou. Ça peut apparaître noir. Mais la gloire est cachée là-dedans. C'est ça, Dieu. C'est ça, le grand Jéhovah. Je l'aime beaucoup, c'est Dieu. La Bible dit, je vais endurcir le cœur. Yes, et vous allez passer par des signes et des signes, mais il y a le dernier signe auquel on ne peut pas résister. C'est un signe prophétique. Yes, ils ont passé par des signes. Je n'ai pas le temps de parler sur les signes à cause des temps, mais le dernier signe, quel est ce signe qui met final pour la délivrance d'Israël, pour la sortie d'Israël de l'Égypte? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'impose d'un signe. Et avant de s'imposer des signes, il y a un élément principal de la sortie d'Israël en Égypte. Quel élément principal de la sortie de l'Égypte? La Bible dit, vous allez manger, vous allez vous prendre l'agneau. L'agneau, c'est un élément principal de la sortie, de la délivrance. Sans l'agneau, pas de délivrance. Amen. Sans l'agneau, pas de délivrance. Et pourquoi l'agneau? Et la Bible dit, pas seulement manger l'agneau, mais quand vous allez manger l'agneau, vous allez prendre le sang de l'agneau, mettre au linteau des maisons.
Alors, quand je passerai, et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Quand je passerai, et quand je verrai le sang, alléluia. Quel sang? Le sang de l'agneau. Pourquoi seulement l'agneau? L'agneau sans tache. L'agneau a un sang. Un sang différent, apparemment. Vous savez, il y a la différence. L'agneau n'est pas comme d'autres animaux. C'était quelque chose qui était prophétique. C'était un message pour la délivrance. Et il faudrait l'agneau. Un jeune agneau qui n'avait pas de taches. On a tout détaillé, comme je n'ai pas de temps aussi. Et on a tout détaillé pourquoi l'agneau est pris. Des détails sur l'agneau. La Bible dit, vous devez prendre le sang de l'agneau et le mettre au-dessus de vos lenteaux. Et quand je passerai au-dessus de vous. C'est un mystère aussi. Quand on parle, quand le Dieu Tout-Puissant parle au-dessus de vous. Pourquoi il n'a pas dit, je passerai. Mais il dit seulement, je passerai au-dessus de vous. Je passerai au-dessus de vos faiblesses. Je passerai au-dessus de vos capacités. Je passerai au-dessus de votre être. Je passerai au-dessus de votre souffrance. Je passerai au-dessus de qui vous êtes. Je passerai au-dessus. Je ne verrai pas, je ne considérerai pas qui vous êtes. Mais je passerai au-dessus. Pourquoi? Pour vous sauver. Alléluia. Vous ne serez pas jugé. Au-dessus de vous, au-dessus de votre mérite, prophétiquement, ça parlait au-dessus de votre mérite, prophétiquement, au-dessus de votre capacité, prophétiquement, au-dessus de votre, vous qui vous êtes. Il y a un mystère de la grâce qui est caché là-dedans. Parce que la grâce ne parle pas de qui suis-je. La grâce, il passe au-dessus de moi, au-dessus de qui suis-je, au-dessus de mes faiblesses, au-dessus de mes capacités, au-dessus de mes insuffisances. Amen. 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 Oh, alléluia. Je passerai au-dessus de vos ténèbres. Je passerai au-dessus de quoi? Je passerai au-dessus. Un langage prophétique caché au-dessus de vos péchés. Parce qu'il y a quelque chose qui produit le jugement. Le Seigneur dit, là où il n'y a pas le sang, je vais juger. Mais qu'est-ce qui produit le jugement? C'est le péché. Amen. Oh, alléluia. Pourquoi le jugement? Israël et Égypte, il était considéré comme le monde. Et Israël, vous devez sortir en dehors de l'Égypte, c'est-à-dire en dehors des ténèbres, en dehors des œuvres des ténèbres, en dehors de la puissance des pharaons, en dehors de la puissance de Satan. Amen. 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 Quand je ferai le sang. Mais la Bible dit oui, exactement. Quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant est passé, là où il y avait le sang, il n'y avait pas de mort. Mais là, je veux bien dire, là où il y avait le sang, il n'y avait pas de mort. Mais là où il n'y avait pas de sang, pourquoi? Il n'y a pas de mort là où il y a des sangs, mais il y a des morts là où il n'y a pas de sang. Pourquoi? Parce que le sang exprime la vie. La vie est cachée dans le sang. C'est-à-dire, quand je vois le sang, je vois la vie. Il n'y a pas la mort qui peut être au-dessus de la vie. Mais la vie est au-dessus de la mort. Il n'y a pas de jugement là où il y a la vie. Mais là où il n'y a pas la vie, là où il y a la mort, il y a le jugement. Mais c'est-à-dire, aussi là où il y a la cause du jugement, c'est là où il y a la mort. La cause du jugement, ça prophétisait le péché. Mais le problème, ce n'était pas ici, physique. Mais le problème, c'était de terminer tout. Ça, c'était l'image. Comme je disais, par mon introduction, c'était l'image.
Les shadows, comme on dit en anglais, it was the shadow. C'était l'image de la vérité qui venait. Et puis, ça c'était juste pour le physique. Mais le Seigneur est esprit. Tout doit se terminer dans l'esprit. Tout doit être emballé. Tout doit se totaliser en parfait. Mais ça, c'est pourquoi là, ça, ce n'était pas parfait. Eh bien, cet agneau-là n'était pas parfait. Il faudrait qu'il n'ait pas parfait. Pourquoi parfait? On va parler après. Amen. Nous sommes vraiment heureux. Mes amis, c'est vraiment heureux d'être chrétien. Amen. Il n'y a pas un bonheur que d'être chrétien. Il n'y en a pas. Je ne parle pas d'être religieux chrétien, mais d'être chrétien. Il n'y en a pas un bonheur. Je veux vous dire pourquoi. Je disais, la fois passée, bon, je vais toucher ça après. Maintenant, écoutez mes amis, la Bible dit quand le Seigneur exactement est venu et descendu, il y a eu le jugement, il y a eu de pleurs, il y a eu des lamentations, il y a eu des jugements. Écoutez, parce qu'il y avait le son, Israël est sorti, il a marché, il est sorti, parce que ça c'était l'image. Même la Bible dit, quand ils sont arrivés devant la mer rouge, même la mer rouge ne pouvait pas résister devant Israël. Pourquoi? Parce que c'était prophétique. Il y avait déjà la vie prophétisée, pas de sang. Et puis, ça m'a combien? La mer rouge et la vie Israël. La mer rouge a laissé la place. Israël est passé. Pourquoi? Parce que le sang. Il y avait la vie. Mais les Égyptiens, comme ils n'avaient pas de sang, ils devaient mourir, être engloutis. Ils devaient mourir dans la mer. Le sang. Je vais ici parler des trois puissances cachées. Amen. Rappelez-moi si je vous dis quelque chose que je dis, je veux parler, s'il vous plaît. Le pasteur, please. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Amen. Amen. Amen, church. Please. Maintenant, ils sont sortis. Et les Égyptiens ont fait la même chose. Nous avons su passer. Quand ils arrivent, il n'y avait pas moyen qu'ils passent. Parce qu'il y avait le sang était déjà là-bas. Mais pas, le sang n'était pas seulement sur les linteaux. C'était l'image de la vie. Amen. C'était l'image de la vie. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs. Comme nous disons, c'était les shadows. Ça ne pouvait pas, c'était juste une image. Ça terminait seulement ce qui était, c'était temporaire, c'était physique, mais ça ne suffisait pas. Pour la rédemption de toute l'humanité. Parce que si Dieu le faisait seulement pour Israël, il serait un Dieu injuste. Mais notre Dieu, c'était un Dieu juste. Et Dieu d'amour, et Dieu compatissant, et Dieu merveilleux, et Dieu glorieux, et Dieu gracieux. Non, pas seulement pour Israël, ça c'était les chars, c'était l'image. Mais Israël, c'était l'image de qui? Israël, c'est l'image de l'Église. Sortir, l'Église, c'est un peuple qui sort en dehors d'eux. Amen. L'Église, c'est le peuple qui est sorti en dehors d'eux. Israël est sorti en dehors de l'Égypte. L'Église doit sortir en dehors des ténèbres. En dehors de la puissance des ténèbres, en dehors de la puissance de Satan, en dehors de la puissance des péchés, en dehors de la mondanité, en dehors de tout ce qui est négatif du diable, l'Église doit sortir. C'est un peuple mis à part. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. Il ne suffit pas de s'appeler l'Église si on n'est pas l'Église. La vraie Église. Le vrai peuple de Dieu, c'est un peuple qui doit sortir, appelé à sortir. Elle est déjà sortie. Pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'agneau. Le vrai agneau, le parfait agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le vrai agneau. Il est le parfait agneau. Le parfait agneau. Avec les sans but. Pour ne pas purifier, non pas
Et près de qui? C'est fini. Mais notre agneau à nous ne meurt pas seulement. Il meurt avec raison, mais les tombeaux ne peut pas les garder. C'est ça la différence. Amen. Notre agneau s'appelle agneau vie. Il s'appelle agneau Jésus. Vous savez, l'agneau a joué beaucoup de rôles dans l'Ancien Testament. Non pas seulement en Égypte, dans toutes les étapes possibles, même dans le tabernacle. L'agneau a joué un grand travail. C'est-à-dire, mais il y a quelqu'un qui a pris tous les travaux que l'agneau devrait faire. Et non pas seulement que l'agneau devrait faire, mais il a pris tous les travaux que celui qui utilisait l'agneau devrait faire. Donc, ici, notre agneau n'est pas seulement agneau, mais il est aussi l'agneau des sacrifices. Pas seulement l'agneau des sacrifices, mais il est aussi sacrificateur. Il n'est pas seulement sacrificateur, mais il est aussi Dieu. Son nom l'indique, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit... Avant que je puisse continuer, mes amis, la Bible dit, quand Moïse demande à Dieu, si le peuple me demande qui t'a envoyé, qui est son nom, tu vas leur dire, mon nom, je m'appelle Jésus. Quand ce grand créateur, il vient dans la chair humaine, toi, il dit aux disciples qu'on sort, il leur dit, Abraham s'est réjoui de mon jour. Il s'est réjoui parce qu'il a vu mon jour. Mais toi, tu n'es même pas plus grand. Tu n'es même pas plus grand qu'Abraham. Avant que Abraham soit Jésus. Amen. Avant que Abraham soit Jésus. Donc, Jésus, c'est lui qui s'était révélé à Moïse. Jésus. Le Jésus de l'Ancien Testament. C'est moi le Jésus aujourd'hui. Je pénètre dans la chair. Ce jour-là, j'étais venu en tant qu'ange éternel. Aujourd'hui, dans la voix. Aujourd'hui, je suis venu dans la chair. Alléluia. Amen. Je suis avant. Hey, my God. Oui. J'ai mangé la dîme d'Abraham. Il m'a rencontré. J'ai mangé sa dîme. Alléluia. J'ai mangé même chez Abraham. J'ai visité Abraham. J'ai mangé chez lui. Oh! Amen! Amen! Regarde! J'ai mangé chez Abraham. J'ai visité Abraham. J'ai visité Gédéon. J'ai visité Josué. Je suis. Je suis le créateur de ce qui est invisible. Je suis le créateur de ce qui est visible. Avant qu'il soit Jésus. Amen. Je suis celui qui est venu. Je suis celui qui rachète. Je suis le sacrificateur. Je suis l'agneau des sacrifices. Je suis même celui dont on a fait ce qui doit faire sortir le sang. Je suis tout. Amen. 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 Wow. My King. Je suis. Quand il vient pour prouver que je suis, il n'y a personne
qui pouvait prendre, supporter la charge du monde entier. Il n'y a personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Je vais vous dire un mystère. La Bible dit, dans la révélation, comme je vous ai dit, le Seigneur, c'est un mystère dans toute la Bible. La Bible dit, Jean dans la vision, il voit l'ancien des jours assis sur son trône, avec les livres scellés des temps et des rois. C'était notre mystère. La Bible dit, ce livre était scellé des temps et des rois, mais il y a une voix qui est digne de prendre ce livre et d'en rompre. Pour rompre, il faut avoir le pouvoir. Pour rompre, il faut avoir l'autorité qui est digne. Il faut avoir la force. Alléluia. Jéhovah Jireh. La Bible dit, quand il n'y avait personne, il y a eu un silence au ciel. Mes amis, il y a eu un silence parce qu'il n'y avait personne au ciel sur la terre, même en dessous de la terre. La Bible dit, Jean commence à pleurer. Il pleurait de quoi? Il pleurait à cause du salut. Il pleurait à cause de la vie. Il n'y avait personne. Jean ne pleure plus. Après cette voix, Jean regarde. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Mais avant qu'il lui voie l'agneau de Dieu, on lui a parlé des lions de la tribu de Juda. Il y a deux langages. Amen. Quand Jean le regarde, il voit. Ce jour-là, Jésus a pris deux formes. On lui parle de l'agneau. On lui parle des lions de la tribu de Juda. Lui voit l'agneau. Amen. Amen. On lui parle de la lion de la tribu de Juda, mais lui voit qui? L'agneau. Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sons. C'est-à-dire, il y a deux langages qui sont cachés. Pour ravir les péchés, pour sauver le monde entier, il faut prendre la forme de l'agneau, être humble. Amen. Il faudrait s'humilier. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Il faut s'humilier. Mais pour maintenant ravir ça, il faut avoir la force de du lion. Il faut avoir l'autorité du lion. Il faut être le roi. Mais dans d'autres dimensions qui sont glorieuses, parce qu'il va venir comme le roi dans une dimension. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. 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 Vous savez, les lions ne reculent pas dans le combat. Quand il vient avec l'humilité pour acheter le monde entier, il faut avoir la force pour combattre. Je vais vous dire le mystère. Il faut avoir la force de combattre comme les lions. Les lions ne perdent jamais la bataille. Amen. Amen. Les lions ne perdent jamais la bataille. Et ils ne reculent jamais. C'est pourquoi lui s'est engagé au front. Il devait s'engager au front pour faire la bataille contre Satan, pour faire la bataille contre les démons, pour faire la bataille contre les principautés, pour faire la bataille contre les ténèbres et ravir la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut faire le combat. Je vous dis un mystère. Dans le mot salut, il y a trois mots. Trois choses qui sont cachées dans le mot salut. Le premier mot, le premier mystère dans le salut, il y a le mot, il y a la première chose, il y a le repos. Il y a la deuxième chose, il y a la victoire. Il y a la troisième chose, il y a l'héritage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos de quoi? De quoi? De nos âmes. C'est-à-dire, aussi longtemps que Christ devait mourir, c'était pour nous donner le repos sur nos péchés, nous donner le repos contre tout esclavagisme de Satan, nous donner le repos contre la puissance des ténèbres, nous donner le repos contre la puissance des pharaons. Nous devenons libres.
Nous avons le repos en Jésus. Deuxième chose, nous avons la victoire à travers sa victoire. Parce qu'il est lion, dans la forme de l'agneau, il a vaincu. Je vais vous parler de la victoire. Il devait vaincre, victorieux. Et si nous sommes plus que vainqueurs. Et troisième chose, par l'œuvre de la croix, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez Colossiens, chapitre 2, verset, je pense 4 jusqu'à 5, la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a dépouillé les hommes, il a dépouillé les autorités, le pouvoir. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Amen. La force des lions. Vainque, victorieux, vainque. Amen. How this could happen? He must give his blood. Oh. What to give his blood? Pourquoi donner son sang? Je vous dis un mystère de sa mort. Le mystère de sa mort. Pourquoi la croix? Il devrait s'identifier à vous et à moi. Pour que nous, you and I, we must identify ourselves to him. Donc, la victoire, c'est un lien d'échange. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce mystère de la vie? C'est-à-dire, papa et vous, quelqu'un qui est là, pouvez-vous venir de le faire ceci? Vous voyez? Bon, je pouvais dire que vous puissiez enlever votre veste, donner à souffrir, enlever, vous nous donnerez, mais j'insiste, si ça vous permet, si ça ne vous permet pas, vous laissez. Amen. C'est possible. Are you sure? Are you sure? So, vous êtes sûr? Regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui, en tant que Dieu, il n'a pas péché. Il n'a fait aucun péché. Aucun, absolument aucun. Il ne méritait même pas la mort. Amen. Il est roi de gloire. Roi de gloire, créateur de toutes choses. Il quitte le ciel avec cette veste. Vous comprenez? Sa veste de la justice. Maintenant, moi et vous, on avait notre veste. Le veste trop sale. Sorry, Amen. La veste trop sale, la veste des péchés, qui sentait mal, l'impureté. Vous voyez, la veste de santé spirituelle, l'adultère, prostitution, cigarette, drogue, homosexualité. You know, these wrong things, hein, esclavagisme, toutes ces choses. Maintenant, lui fait quoi? Pour me sauver, il fait quoi? Et vous êtes prêts, papa? Are you ready? Can I? Peut-être votre. Pour cacher. Maintenant, regarde ce que Christ fait. Il enlève sa veste pour vêtir. Mon bien-aimé papa ici, il peut porter. Oui. Il peut. Il est mon frère. Amen. Maintenant, il prend sa veste, il donne, il me donne, il vous donne, mais il prend ma veste qui était trop sale. Il s'est vêtu. Maintenant, c'est pourquoi la Bible dit à 2 Corinthiens 5, 20, 21, la Bible dit, il s'est fait. Non pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Est-ce qu'on comprend bien le mystère? Il s'est fait pécheur, mais il
s'est fait pécher à ma place pour que nous puissions devenir justice. Donc il prend ma casaque pour me donner sa casaque. Et puis quand il prend ma casaque, ce n'est pas pour que ma casaque continue à vivre. Est-ce que vous comprenez le mystère? Ce n'est pas pour que ma casaque continue à vivre, c'est pour qu'il prenne cette casaque, il aille déchirer cette casaque à la croix. Que ma casaque puisse être détruite à la croix, rester à la croix et poursuivre maintenant la conséquence de la casaque. Est-ce qu'on comprend ce mystère? Amen. Il prend la place. Il prend ta place. Non pas pour que ma place continue à vivre, mais pour exterminer la puissance des péchés à la croix. Pour déchirer la puissance des péchés à la croix. La Bible, il a dépouillé les autres. La puissance des autres. C'est ainsi que le péché n'a plus de puissance. Quel mystère! Le péché n'a plus de puissance. Le diable n'a plus de puissance. Ce qui fait la puissance du péché, c'est du diable, c'est le péché. Le diable n'est pas puissant. Vous savez ça? Waouh! Vous savez ça? Alléluia! Vous savez ça? Le diable n'est pas puissant. Ce qui faisait la puissance et la force du diable, c'était le péché. Ce qui faisait la puissance de la mort, c'était le péché. Mais aussi longtemps que le péché est détruit à la croix, la mort, le diable n'ont plus la puissance. Mais le Seigneur, après avoir détruit la puissance du péché, il n'est pas resté seulement à la croix. Il a poursuivi la conséquence des péchés de la tombe. C'est là où il y a le problème. Amen. Waouh. Amen. Waouh. Amen. Le diable était usé. Dans le. You watch the time, hein? It's over there. Oh my God! Ten. Sorry about. Amen, church. Amen. On prêche, on enseigne. Amen, église. Amen. Je dois vous respecter pour que vous veniez encore demain. Vous me dites, mais non, ce pasteur-là, il prend le temps, demain, on ne vient pas. Amen. 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 Comme ça, je vais te demander. Papa, vous me donnez 10 minutes. Hein? Ou bien j'arrête. Non. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est pourquoi je vous dis notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a fini ça là-bas. Hein, avec les péchés. Dans le mystère, quand vous lisez depuis Genèse, vous allez trouver que la façon dont Dieu avait créé l'homme, c'était la manière glorieuse, victorieuse. Mais quand l'homme tombe dans le péché, il y a des conséquences qui suivent des péchés. Alors l'homme perd, depuis que l'homme est tombé dans le péché, il avait perdu tout. Donc il avait perdu même sa nature. Il avait perdu tout ce que le Seigneur lui avait donné dans la nature. Parce que la nature produit a aussi des conséquences. Son homme avait tout perdu. Le diable avait pris tout ce qu'avait l'homme. Il était parti le cacher. Alors le Seigneur Jésus-Christ, dans la sagesse souveraine, après avoir détruit le péché, la puissance des péchés, il devait poursuivre maintenant ce que le diable avait pris dans le tombeau. Il devait continuer la bataille. Il a fini la première bataille à la croix. La deuxième bataille, c'était et la troisième bataille, il y a deux batailles, donc deuxième et troisième. La deuxième, il devrait aller visiter dans le séjour de mort. Dans la prison. Où est-ce que le diable avait caché ça?
pour ce frère, pour cette soeur, pour ce monsieur. Ah, ok. Il a visité le premier jour. Le deuxième jour, c'était le jour maintenant des combats. Il devrait maintenant ravir tout ce que le diable avait pris. Amen. Le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, il devrait démontrer à l'invisible, au visible, qu'il n'est pas créature, mais il est créateur, qu'il est tout bon, qu'il n'est pas le diable, il n'est pas le chat, il n'est pas l'image, mais il est le vrai. Alléluia. Il devrait démontrer que même le péché, ni la mort ne peut pas le garder. Amen. Le dernier ennemi qui devait combattre, c'était la mort. Mmh. Il démontre la mort. Mort, il est ravi. Il reprend la clé de la vie. Et quand il reprend la clé de la vie, mort le troisième jour. C'est mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il s'est ressuscité. Oh, yes. Amen. Mes amis, vous savez, demain, je vais respecter votre temps, maintenant je vais arrêter pour ne pas continuer. Je devrais parler sur trois puissances cachées en Jésus-Christ. Cette nuit, et demain continuer sur autre dimension, mais demain alors nous venons. Ok? Qui va inviter 15 personnes demain? 15. Venir avec 15 personnes. Amen. Amen. Oui. Oh, 10 personnes. Oui. J'ai laissé 5 personnes. Qui peut amener 5 personnes? Oui. 7. Ok. Dieu bénisse. Oui. Je parle d'abord de ça. Venez amener votre maman, amener votre famille. Je vous dis que c'est un message révolutionnaire. Amen. Vous n'allez plus accepter d'être la même personne. Amen. Amen. Vous allez comprendre qui êtes-vous, parce qu'il ne faut pas se dire je suis si vous ne l'êtes pas. C'est là où il y a le problème entre le diable et l'homme. Et le diable a trouvé quelqu'un et c'est, il y a des démons, il y a des sept fils qui sont partis pour chasser les démons. Et nous chassons au nom de Jésus que Christ et Paul le prêche. Jésus, nous le connaissons. Paul aussi, nous le connaissons. Mais vous qui êtes-vous? Et donc, c'est-à-dire, il faut être ce que vous dites que vous êtes. Parce que vous devez avoir l'honneur, l'odeur de qui vous êtes. Amen. Là, demain, par la grâce de Dieu. Je m'excuse. Pasteur vous dira, je suis très, et je pouvais continuer, je suis très fort. Je ne suis pas de la place de Dieu, de parler de négativité. Je suis très fort. Malgré très fort. Pasteur, vous comprenez ce que je vais dire, non? Amen. Donc, mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce pour parler aussi pour nous parler. Demain, on va continuer. Quand on va récupérer encore davantage d'énergie, je serai posé un peu. Donc, je venais juste d'arriver. Donc, je suis venu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie pour les gens. Vous savez, vous devez vous révolutionner. Je dois me révolutionner, je dois continuer à me révolutionner. Vous savez, il y a des fois où j'arrive à un certain niveau, je dis, Seigneur, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas ça. Tu m'as fait. Je sais que je suis, c'est ça. Je ne suis pas ça. Amen. 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 Donc, je veux que mes bien-aimés comprennent. C'est lui qui veut donner réellement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux m'engager. Aussi faire beaucoup d'années à l'église, ce n'est pas être chrétien. Amen. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Commence par là. Si quelqu'un s'engage, c'est décidé de dire, Seigneur, je veux avoir une nouvelle marche chrétienne avec toi, Seigneur. Je veux avoir le sens de vrai chrétien. Je comprends, je veux me révolutionner, je ne veux pas être esclave. Parce que même Israël, le sang de l'agneau n'était pas des années avant pour qu'Israël reste en Égypte. C'est peut-être pour qu'Israël sorte de l'Égypte. La même chose, le sang du Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour que nous puissions rester les mêmes personnes, c'est pour que nous puissions être transformés. Amen.
Amen. Amen. Dieu veut que je prie pour lui. Ne passez même pas honte. Vous pouvez passer, on va prier pour vous. Si vous voulez vous être déterminé à vous engager, l'on peut se tenir de vous. Consacrer ma vie à toi. Je comprends le mystère de la croix, je comprends le mystère de la résurrection. Alléluia. Oui, là où il y a le sang de Jésus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Pour tous celui qui croit au Seigneur Jésus, pour celui qui s'étonne, qui se décide, tu ne vas pas passer au jugement. Tu passes des jugements à la justice de Dieu. Le Seigneur te justifie. Amen. Please. Que le sang de Jésus, alléluia. Que le sang de Jésus, alléluia. Que le sang de Jésus.